Bonjour, bonjour les amis et merci de me retrouver pour notre horoscope des influences énergétiques et des anges gardiens du mois de mai 2016. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à regarder votre horoscope mensuel sur ma chaîne YouTube Orac TV. Donc merci à vous. N'hésitez pas à continuer à partager mes vidéos et même mes différents articles sur vos pages Facebook, Twitter, Hello Coton et sur vos blogs et forums. Je vous remercie, ça me fait extrêmement plaisir de voir par moment mes vidéos sur certains blogs. Donc n'hésitez pas, continuez à les partager. Vous pouvez me joindre personnellement par téléphone pour une consultation de voyance directe par téléphone ou en mon cabinet à Angoulême. Pour cela, merci de prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82. Vous pouvez aussi obtenir toutes vos prédictions personnalisées du mois de mai et des mois à venir en envoyant par SMS le mot voye 8256, il s'affiche actuellement à l'écran, voye VOY 8256 par SMS 71 700, 0,65 centimes d'euros par SMS plus prix d'un SMS. Donc on envoie voye 8256 par SMS 71 700 et vous recevrez toutes vos prédictions personnalisées réalisées par l'un de mes voyants en temps réel. Si vous souhaitez une voyance par téléphone sans carte bancaire, n'hésitez pas à appeler le 08 92 06 03 67. 08 92 06 03 67, seulement 0,60 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. 08 92 06 03 67, ou pour une voyance sans attente et en privé avec l'un de mes meilleurs voyants, appelez immédiatement le 04 92 94 82 56. 04 92 94 82 56. À partir de seulement 15 euros les 10 premières minutes. Et puis vous savez que nous avons aussi une équipe de voyance en Belgique. Donc pour nos amis belges, n'hésitez pas à appeler le 02 808 71 10. 02 808 71 10 pour seulement 3 euros la minute. Et actuellement, pour cette année 2016, nous vous offrons 10 minutes de voyance gratuite. Donc n'hésitez pas à appeler le 02 808 71 10 si vous êtes en Belgique et que vous regardez cette vidéo. Et je sais que vous êtes extrêmement nombreux à nous regarder depuis la Belgique ainsi que depuis le Canada et je vous en remercie. Je vais maintenant vous dévoiler votre horoscope des influences énergétiques et des anges gardiens pour ce mois de mai 2016. Bélier. Dans le domaine amour, ce mois de mai sera délicat à vivre pour les personnes du signe astrologique du Bélier, faute à quelques petites tensions entre vous et votre partenaire amoureux, particulièrement si vous êtes en couple avec une personne du signe astrologique Gémeaux. Dans le domaine professionnel, les tensions du mois précédent seront vite oubliées et le ciel redeviendra vite bleu dans l'ensemble, malgré quelques petites tensions internes. Du côté du bien-être, n'oubliez pas de boire au moins 1,5 litre d'eau chaque jour pour le bon fonctionnement de votre corps. Vos jours chance seront pour le mois de mai le 7, le 15, le 21, le 22 et le 28 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Bélier pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Michael, qui vous aidera à éloigner de votre vie les énergies et les personnes négatives. L'Astro Plus. Le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pour ce mois de mai 2016 est le domaine amour. Taureau. Dans le domaine amour, le ciel sera bleu et le soleil brillera pour vous. Mais attention à ne pas trop en demander à votre partenaire amoureux, particulièrement concernant l'avenir d'un projet vous engageant à deux dans le temps. Dans le domaine professionnel, pendant tout le mois de mai, il y aura quelques petits doutes sur certains de vos choix professionnels et une grosse fatigue s'installera et se fera ressentir en milieu de mois. Du côté du domaine bien-être, faites une petite cure de fleur de Bac pour vous permettre de faire le point sur vos doutes professionnels actuels. Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 4, le 8, le 17, le 25 et le 31 mai 2016.
L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Taureau pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Sandalphon, qui aide à faire venir la réussite dans votre vie quotidienne. L'Astro Plus. Le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pour ce mois de mai est le domaine professionnel. Passons maintenant à nos amis les Gémeaux. Dans le domaine amour, les personnes du signe astrologique Gémeaux vivront de véritables retrouvailles sentimentales entre eux et leurs partenaires amoureux. Pour nos amis les Gémeaux ascendant Scorpion et célibataire, une rencontre amoureuse sera possible dans ce mois de mai. Dans le domaine professionnel, faites attention au comportement de certains de vos collègues qui auront tendance à être jaloux ou belliqueux envers vous ou à certains de vos collègues. Du côté du domaine bien-être, prenez le temps pour prendre soin de vous par de petits moments de méditation en pleine nature. Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 3, le 12, le 18, le 19 et le 22 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Gémeaux pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Métatron, qui vous aidera à exaucer vos rêves et à mettre en place les projets importants à votre vie et à votre évolution personnelle. L'Astro Plus. Le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pendant ce mois de mai est le domaine financier. Cancer. Dans le domaine amour, les personnes du signe astrologique Cancer vivront quelques petits moments difficiles pendant ce mois. Mais heureusement pour eux, ils pourront faire oublier leurs moments de stress grâce à leur sublime charme. Dans le domaine professionnel, beaucoup de stress sera présent pendant tout le mois de mai. Du côté du domaine bien-être, faites une petite cure de fleur de Bac pour vous aider à vous détendre. Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 8, le 9, le 14, le 20 et le 21 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Cancer pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Sandalphon, qui aide à faire venir la réussite dans votre vie quotidienne. L'Astro Plus. Le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pendant ce mois de mai est le domaine financier. Lion. Dans le domaine amour, les influences énergétiques seront plutôt très agréables à vivre pendant le mois de mai. Toutefois, attention pour les personnes du signe astrologique Lion ascendant Poisson à une petite dispute qui aura lieu en milieu de mois. Dans le domaine professionnel, le stress et la fatigue seront hélas au rendez-vous. Du côté du domaine bien-être, attention à cette fatigue qui s'installera pendant le mois de mai. Mon petit conseil, faites une cure d'aloe vera bio pour retrouver votre vitalité. Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 2, le 12, le 14, le 28 et le 29 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Cancer pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Michael, qui vous aidera à éloigner de votre vie les énergies et les personnes négatives. L'Astro Plus, le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant ce mois pour ce mois de mai est le domaine amour. Vierge. Dans le domaine amour, les personnes du signe astrologique Vierge vivront sous des influences énergétiques de passion et d'amour. Attention toutefois à certaines personnes qui pourront être jalouses de votre amour, particulièrement si vous êtes en couple avec un scorpion. Dans le domaine professionnel, beaucoup de travail sera au rendez-vous. Attention à la fatigue qui pourrait s'installer en milieu de mois. Du côté du domaine bien-être, je vous conseille vivement de faire une petite cure d'aloe vera bio pour garder une bonne forme et une vitalité au top. Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 11, le 12, le 13, le 20 et le 29 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Vierge pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Sandalphon, qui aide à faire venir la réussite dans votre vie quotidienne. L'Astro Plus, le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant ce mois de mai, est le domaine familial. Balance. Dans le domaine de l'amour, les échanges avec votre partenaire amoureux seront tendus pendant ce mois de mai, faute à la présence trop étouffante de certaines personnes, particulièrement si vous êtes en couple avec un taureau.
Pour les célibataires du signe du zodiaque Balance, ascendant Bélier, une rencontre amoureuse intéressante aura lieu en fin de mois. Dans le domaine professionnel, les influences énergétiques de ce mois de mai seront plutôt agréables. Du côté du domaine bien-être, prenez soin de vous et de votre peau par de petits soins beauté. Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 8, le 21, le 22, le 28 et le 30 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Balance pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Métatron, qui vous aidera à exaucer vos rêves et à mettre en place les projets importants à votre évolution personnelle. L'Astro Plus, le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pendant ce mois de mai, est le domaine Amour. Passons maintenant à nos amis les Scorpions. Dans le domaine de l'amour, vos influences énergétiques du mois de mai seront marquées par Vénus et un courant énergétique très coquin. Pour les célibataires du signe du zodiaque Scorpion ascendant Taureau, une rencontre amoureuse aura lieu pendant le mois de mai, mais ne sera hélas que sexuelle. Dans le domaine professionnel, les influences énergétiques de ce mois de mai seront plutôt agréables, mais une grosse fatigue se fera ressentir pendant tout le mois de mai. Du côté du bien-être, faites une petite cure de spiruline bio et d'aloe vera bio qui vous aideront à tenir face à votre fatigue professionnelle. Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 12, le 13, le 29, le 30 et le 31 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Scorpion pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Michael, qui vous aidera à éloigner de votre vie les énergies et les personnes négatives. L'Astro Plus, le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pendant ce mois de mai, est le domaine financier. Sagittaire. Dans le domaine de l'amour, le soleil sera plutôt gris pendant le mois de mai, malgré quelques moments agréables avec votre partenaire amoureux. Dans le domaine professionnel, les influences énergétiques seront marquées par la fatigue et le stress. Du côté du domaine bien-être, attention à votre alimentation. Pourquoi ne pas faire un petit régime? Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 3, le 5, le 10, le 21 et le 22 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Sagittaire pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Métatron, qui vous aidera à exaucer vos rêves et à mettre en place les projets importants à votre évolution personnelle. L'Astro Plus, le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pendant ce mois de mai, est le domaine amoureux. Capricorne. Dans le domaine de l'amour, les influences énergétiques de ce mois seront très agréables, malgré quelques petites tensions passagères, mais rien de bien méchant dans l'ensemble. Dans le domaine professionnel, les planètes de votre signe astrologique Capricorne joueront les échanges énergétiques. C'est pour cela que vous aurez l'impression de vivre dans une véritable montagne russe entre moments de calme et un moment de tempête. Du côté du domaine bien-être, pourquoi ne pas faire une petite cure de compléments alimentaires bio contre le stress et contre la fatigue passagère? Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 7, le 9, le 16, le 20 et le 31 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Capricorne pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Raziel, qui vous aidera à faire face à vos problèmes de cœur et à faire venir dans votre vie sentimentale la joie et l'amour. L'Astro Plus, le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pendant ce mois de mai, est le domaine financier. Verseau. Dans le domaine de l'amour, les nuages gris apparaîtront dès le milieu du mois de mai avec de grosses tensions entre vous et votre partenaire amoureux. Il sera important de jouer la carte de l'apaisement pour que cette mauvaise période ne dure pas dans le temps. Pour les personnes du signe astrologique Verseau et célibataire, une bonne nouvelle aura lieu en fin de mois, particulièrement si vous êtes ascendant Gémeaux. Dans le domaine professionnel, les influences énergétiques seront plutôt bonnes dans l'ensemble. Mais attention à certaines personnes qui peuvent jouer double jeu avec vous. Du côté du domaine bien-être, prenez le temps de méditer 10 minutes par jour afin de permettre à votre corps et à votre esprit de se ressourcer.
Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 9, le 21, le 23, le 24 et le 29 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Verseau pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Michael qui vous aidera à éloigner de votre vie les énergies et les personnes négatives. L'Astro Plus, le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pour ce mois de mai 2016, est le domaine professionnel. Passons maintenant à notre dernier signe astrologique de cet horoscope des influences énergétiques et des anges gardiens pour le mois de mai 2016, Poissons. Dans le domaine de l'amour, les moments d'amour, de joie et de plaisir charnel seront au rendez-vous pendant tout le mois de mai. Dans le domaine professionnel, le stress et la fatigue viendront rendre votre travail plus difficile qu'il est actuellement. Du côté du domaine bien-être, faites une petite cure d'aloe vera bio pour conserver votre bonne énergie. Vos jours chance pour ce mois de mai 2016 seront le 4, le 8, le 23, le 29 et le 31 mai 2016. L'ange gardien que devra invoquer le signe astrologique Poisson pendant ce mois de mai 2016 sera l'archange Raziel qui vous aidera à faire face à vos problèmes de cœur et à faire venir dans votre vie sentimentale la joie et l'amour. L'Astro Plus, le domaine pour lequel je vous conseille vivement de consulter un voyant pendant ce mois de mai, est le domaine professionnel. Voilà mes amis, notre horoscope des influences énergétiques et des anges gardiens pour ce mois de mai 2016 vient de se terminer. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une consultation de voyance en direct par téléphone ou en mon cabinet de voyance à Angoulême. Pour cela, n'hésitez pas à m'appeler au 06 58 44 40 82. 06 58 44 40 82, je réponds moi-même et je consulte personnellement en mon cabinet ou par téléphone. N'hésitez pas à visionner toutes les vidéos présentes sur ma chaîne YouTube Oracle TV. Vous pouvez retrouver de nombreuses vidéos concernant les minéraux, concernant par exemple aussi l'énergie et aussi comment se protéger des énergies négatives, des personnes négatives ou encore comment savoir ou découvrir qu'on est envoûté ou victime d'énergie négative. N'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos remarques et à me poser toutes vos questions. J'y répondrai, je réaliserai des petites vidéos justement pour vous à répondre. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de mois pour ce mois de mai 2016. Prenez soin de vous et faites attention à vos proches et à vos animaux. À très bientôt.